الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فمرحبا يا طالب العلم في قناة مبادئ اللغة يفني توسنة خشان مبادئ اللغة في الفيديو فيديو الأجرومية الدرس الخامس علمنا فيما سبق أن الكلمة تنقسم إلى قسمين معرب ومبني، وعلمنا أن المعرب هو الذي يتغير آخره بسبب العامل، وعلمنا أن الإعراب إما أن يكون لفظيا وإما أن يكون تقديريا وإما أن يكون محليا، والإعراب اللفظي هو الإعراب الذي تظهر علامته في الكلمة مثل جاء زيد. هنا الضمه هي علامه الاعراب وهي ظاهره في الكلمه والاعراب التقديري هو الاعراب الذي لا تظهر علامته لمانع وموانع ظهور علامه الاعراب ثلاثه التعذر والثقل والمناسبه مثاله جاء موسى والإعراب المحلي هو الإعراب للكلمات المبنية وللجمل أقسام الإعراب درسنا أن الإعراب ينقسم إلى أربعة أقسام الرف والنصب والجر والجزم ودرسنا علامات هذه الأقسام الأصلية وهي الضمه في الرفع والفتحه في النصب والكسره في الجر والسكون في الجزم ومعنى ذلك اننا اذا راينا كلمه تنتهي بضمه فالاصل فيها ان تكون مرفوعه واذا راينا كلمه تختتم بفتحه فالاصل فيها ان تكون منسوبه وكذلك بالكسره والسكون Nous avons étudié précédemment que l'Irrab est de quatre catégories. Al-Raf, nasb Nous avons étudié que pour chaque catégorie, il existe des signes distinctifs, des signes particuliers. C'est ce que nous appelons al al Les signes de l'Irrab de base sont la Dhamma pour le Raf, la Fatra pour le Nasb, la Kasra pour le Jar et le Soukoun pour le Jazm. Donc la base est que toutes les fois où nous verrons un mot avec une Dhamma, c'est que celui-ci est. Marfu, qu'il à la première catégorie de l'Irabe. De même que toutes les fois où nous verrons un mot qui finit par une fatha, eh bien la base est que celui-ci est mansoub. Et ainsi de suite. « وَدَرَسْنَا <reduz> أَنَّ <Nixon> Nous avons étudié également que le « arraf » est propre pour les noms et les verbes, de même que le « nasm ». Quant au « jar », il est spécifique au nom et le « jasm », il est spécifique au verbe. Donc la base est que le nom ne prenne pas de soukoun comme signe distinctif de l'yarab, de même que le verbe ne prenne pas de « kasra » comme signe distinctif de l'yarab. Babu marifati alamati al-irabi »« Alamatul irabi » Les signes distinctifs de l'Irabe sont de deux types. Des signes distinctifs de base, Asliyatun, et des signes distinctifs secondaires, farriyatun. Ceux-ci seront spécifiques à certaines catégories de mots, que nous verrons par la suite. هي كما قلنا الضمه في الرف والفتحه في النصب والكسره في الجر والسكون في الجزم مثاله جاء زيد ضربت زيدا سلمت على زيد زيد لم يكتب هنا هذا الاسم يختتم بضمه والضمه هي علامه الرفع فنقول هذا الاسم مرفوع لان الضمه هي علامه الرفع الاصليه وكذلك هنا زيدا ينتهي بفتحه فنقول هذا الاسم منسوب لان الفتحه علامه النصب الاصليه وكذلك هنا زيد زيد ينتهي بكسره والكسره علامه الجر الاصليه فنقول هذا الاسم مجرور ويكتب ينتهي بسكون فنقول هذا الفعل مجزوم لأن السكون علامة الجزم الأصلية قال ابن آجر رحمه الله تعالى للرفع أربع علامات الضمة والواو والألف والنون علامة الرفع هي أربع الضمة وهي الأصل العلامة الثانية الواو وهي فرع والعلامة الثالثة الألف وكذلك هي فرع والعلامة الرابعة هي النون وهي كذلك فرع فنعرف الكلمات المرفوعة بهذه العلامات الأربع Les signes du harraf sont au nombre de quatre. Un signe qui est de base est qui sont secondaires. Le premier de base est, comme nous l'avons dit, « Ensuite, les signes secondaires sont le « waw » ou « alif » ou « nun ». Donc, toutes les fois où nous verrons un mot qui possède un de ces quatre signes distinctifs de l'Irab, nous saurons que ce mot est « marfour ».« al-rafri »«»«« hiya « al-waw »« alif »« nun »« جاء زيدون زيدون ينتهي بضمة فالاسم مرفوع والضمة هي العلامة الأصلية في الرفع جاء المسلمون هنا ينتهي بالواو جاء الطالبان هنا ينتهي بالألف المسلمون يكتبون هنا بالنون فهنا نعرف أن هذه الكلمات كلها مرفوعة. Donc ici Le mot finit par une dhamma. La dama est la base pour le raf. Nous savons que ce mot est marfour. El muslimun wa talibani finissent par le waw et el alif. Nous verrons par la suite ce qu'est le noun qui les suit. Donc nous savons que ces deux mots sont marfour, car ils finissent par les signes distinctifs de l'arabe du raf: le waw et l'alif. Yaktuboun, le verbe yaktuboun, finit par un noun. Nous savons donc que ce verbe est marfour. Donc voici comment reconnaître la catégorie de l'irabe d'un mot. مواضع الضمة قال المؤلف رحمة الله عليه: فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. ذكر هنا المؤلف أنواع الكلمات التي نجد فيها الضمة علامة للرفع، فنقول: مواضع الضمة علامة للرفع أربعة. الموضع الأول في الاسم المفرد. الموضع الثاني في جمع التكسير، والثالث في جمع المؤنث السالم، والرابع في الفعل المضارع. L'auteur ici nous mentionne tous les types de mots où nous trouverons la Dhamma comme signe distinctif du Rafa. Nous savons que la Dhamma est le signe de base pour le Rafa. Seulement l'auteur ici nous donne encore plus de renseignements sur celle-ci. Il va nous dire, tu trouveras la Dhamma dans quatre mots précisément. Ces quatre mots sont... Le mot singulier. Le deuxième, c'est un type de pluriel que nous allons voir. Le troisième, le pluriel féminin saint. Nous allons le voir également. Le quatrième, le verbe auquel nous n'avons rien suffixé. Nous allons voir ce que cela veut dire en détail. « Idan alamatu hiya qismani »« Asliyatun wa farriyatun »« Wa alamatu al hiya وهذه الضمة نجدها في أربع كلمات المفرد مثال: زيد في الفصل، زيد نجد هنا الضمة، فهذه الضمة علامة الرفع. جمع التكسير: الكتب في الفصل، الكتب جمع تكسير ونجد فيه الضمة. جمع المؤنث السالم مثال: المسلمات في الفصل، نجد هنا الضمة. Donc les signes distinctifs du raf sont de deux types Fariyatun, secondaire, asliyatun de base Le signe de base est la dhamma Cette dhamma nous la retrouverons dans quatre types de mots Al-mufarad le singulier, زيدون في le Jamr-Taxir, El Kutubu, Fil Fasli. mu annathi Salim, El Muslimatu, Fil Fasli. Et le quatrième cas, mudaria Alladi la yattassilu bihi shay'un. Yak Tubu, zaidun. Donc, vous voyez que dans ces quatre mots, nous trouvons la Dhamma. Et cette Dhamma ici est le signe distinctif de l'arabe al ar L'auteur ici a mentionné plusieurs types de mots. Il a mentionné. المفرد, le singulier, الجمع, le pluriel. فاعلم أن الاسم ينقسم إلى ثلاثة أقسام باعتبار العدد. ينقسم إلى مفرد، والمفرد ما دل على واحد أو واحدة. وينقسم إلى مثنى، والمثنى ما دل على اثنين أو اثنتين. Avant d'expliquer les paroles de l'auteur, il est important de savoir que le nom dans la langue arabe, du point de vue de son nombre, se classe en trois catégories elle mufarad le singulier, qui indique une seule chose, que celle-ci soit féminin ou masculin, un homme ou une femme. Le duel qui indique deux choses masculin ou féminin, tels que deux hommes ou deux femmes, et le pluriel qui indique plus de deux choses masculin ou plus de deux choses féminin, c'est-à-dire à partir de 3 jusqu'à l'infini. 'ala ou Donc c'est le nom qui indique un ou une. ad mouffaradou est le signe du raf. للمو مفرد هي toujours مثال زيد قائم زيد اسم مفرد فزيد علامه الرفع هنا الضمه فنقول زيد مبتدا مرفوع وعلامه رفعه الضمه الظاهره هند قائمه هند كذلك هنا اسم مفرد فعلامه الرفع هنا الضمه الكتاب مفيد الكتاب كذلك اسم مفرد فعلامة الرفع هنا الضمة وكذلك في الإعراب التقديري تقول موسى قائم وليلى قائمة موسى اسم مفرد فنقول مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها التعذر تسمو إيسي صو Zaydoun, Hindun, de même que Moussa, elle est là. Donc tous ces mots sont au singulier. Eh bien, le signe distinctif de l'yarabe, au raf, pour ces mots, est toujours la dhamma, que celle-ci soit apparente ou muqaddara, comme nous l'avons vu précédemment. Tel que Moussa, ici, la dhamma est muqaddara. Ce qui a empêché qu'elle apparaisse, c'est l'incapacité de la prononcer avec le alif à la fin du mot. Mais nous considérons qu'elle est présente. Donc, zaydun » nous dirons Moubtada'un, marfou'un »« wa'alaamatu rafahi ad Nous verrons ce qu'est un Moubtada par la suite. Retenez seulement que quand nous faisons l'Irabe d'un mot, nous mentionnons plusieurs choses. La première, quel est le rôle du mot dans la phrase Ici, il est Moubtada. La deuxième, quel est son irab. Ici, il est Marfour. Ensuite, il nous faut préciser le signe distinctif du Harraf ici. Le mot est singulier, son signe distinctif est la dhamma. Donc nous disons wa'alaamatu, al-raf'ihi dhammatu Ensuite, nous précisons si cette dhamma est apparente ou cachée. Nous disons al-zahiratu ou al-muqaddaratu. Et si elle est cachée, nous précisons la cause ou ce qui l'a empêchée d'être apparente. Nous disons mana'a min dhuhuriha et «سوسي هو فاسون كاملة دو فعل دامو» (قلنا الاسم ينقسم باعتبار العدد إلى مفرد ومثنى وجمع)، واعلم أن الجمع ينقسم كذلك إلى قسمين، جمع التكسير وجمع سالم، أما جمع التكسير هو ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين. Le djam au taxir veut dire le pluriel qui a été cassé. Djam taxir, c'est le pluriel qui va indiquer plus de deux choses, que celle-ci soit masculin ou féminin, avec un changement de la forme de son singulier au pluriel. Regardez Asadun, Jam'uhu, usudun. Huna yarat el harakat. El huna sarat bammahuna. El fatrahuna, kadalika, sarat Mahuna. طليق جمعه طرق، هنا حذفت الياء وتغيرت الحركات. كتاب جمعه كتب كذلك حذفت الالف وتغيرت الحركة. حديقة حدائق، هنا حذفنا الياء وزيد الف وهمزة. عليم علماء، فهذا هو جمع التكسير، هو الذي يدل على أكثر من اثنين أو اثنتين. Marat ra suratil mufrad »« El mufrad ala suratin »« Wal jam ala suratin ukra » Donc « Jamro taksir » c'est le pluriel dont le singulier va changer de forme. Ici, dans le mot « ased » tu vois qu'au pluriel les harakat ont changé. « Usud »« Tadikun turukun » Ici on a enlevé une lettre et changé les harakat. Kitabun kutubun » On a également enlevé une lettre et changé les harakats. « Hadiqatun hada iku » Également ici, on a supprimé une lettre et rajouté deux lettres. Ça c'est « Jamro taksir ». Il a été nommé « taksir » qui vient de El al-kasr ».« Al-kasr » c'est le fait de casser une chose. Comme si la forme de son singulier a été cassée. « Alamatu al-rafri fi jamri al-dammatu ad « Fa izha kana jamru taksiri marfu'an kanat alamatuhu ad »« Mithaluhu El kutubu mufidatun »« Al-kutubu huna mubtada'un marfu'un »« Wa alamatu al-rafrihi ad al-zahiratu الأسد في الغابة الأسد كذلك هنا علامة الرفع الضمة ومثال في الإعراب التقديري الجواري في البيت الجواري مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها الثقل Donc toutes les fois où nous verrons un jamro de taksir et que celui-ci est مرفوع, et bien nous que celui finit par une damba. Car le signe du raf pour Jamr al est toujours la dhamma. Exemple, El kutubu mufidatun, el usudu fil raba El kutubu finit avec une dhamma, el usudu également. Car les deux sont des Jamr et les deux sont marfours. Kulna, el ismu bi-artibari al-adad yan ila mufrad wa muthannan wa El jamru yan qasimu ila Jamr wa Jamr salim وجمع السالم ينقسم كذلك إلى قسمين مذكر ومؤنث وهذا موضع الثالث للضمة في الرفع هو جمع المؤنث السالم وجمع المؤنث السالم هو ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء في آخره Nous savons maintenant que le pluriel est de deux types. Jamro-Taksir, un pluriel dont la forme du singulier va changer au pluriel, et un Jamro-Salim. Jamro-Salim est également de deux types. jamro el salim ou jamro el salim Salim veut dire littéralement saint. Ces pluriels ont été nommés de cette manière car la forme de leur singulier ne change pas. Elle est saine de tout changement, contrairement au Jamro-Taksir. Seulement, nous rajoutons à la fin du Mufrad deux lettres qui indiqueront le pluriel. Ces deux lettres sont différentes entre le pluriel masculin et féminin. En l'occurrence, pour le pluriel féminin, il s'agira d'ajouter un alif et un ta. Donc, Jam'un et salim est ce qui indique plus de deux choses féminines en ajoutant un alif et un ta à la fin. Exemple, muslimatun, mufrad, wa jam'uhu muslimatun. Shajaratun, jam'uhu shajaratun. Le mot muslimat ici est un singulier. Au pluriel, nous dirons muslimat. Tu constates que la forme du singulier ici n'a pas changé. Mim avec un damma, sin avec un soukoun, lem avec une kasra et un mime avec une fatra. Seulement, nous rajoutons un alif et un ta à la fin du mot. Et ceci est djamou el muannathi el salim. Shajaratun, singulier, shajaratun au pluriel al asma al-lati tujmaru jamra al as Quels sont les mots qui ont pour pluriel jamra al-muannathi as-sani? Parmi ces mots, Alamu al-muannath, le nom propre féminin. Tous les noms propres féminins que ceux-ci terminent par un ta ou non, tels que Hind, el Jam, Hindat, Fatima, Fatimat. Deuxième type, tous les noms qui auront un ta ou ta'nith à la fin. Quand bien même ce nom serait un nom propre masculin. Shajaratun » au singulier, shajaratun ».« Hamzatun, qui est un nom propre masculin, mais celui-ci termine avec un ta ta'nith. Donc, nous pouvons faire son pluriel avec jamro al-mu'annathi salim. Nous disons hamazat. Troisième type, sifatul mu'annathi tout adjectif féminin qui finit avec un ta, tel que mordiraton. Nous disons murdiatun, djamilatun »,« djamilatun » au pluriel. Quatrième type, sifatun » li jamrin muzakkari, Un adjectif pour un nom masculin au pluriel dépourvu de raison. Exemple, jibealon ici est un pluriel masculin pour quelque chose dépourvu de raison. Eh bien, son adjectif se fera avec Jamru el muannathi al-Salim. Nous dirons Jibalun rasiyatun. Ayamun jamilatun ». Quatrième type Ma kana fi آخره min من علامات التانيث. Alif al-Mamdouda ou Alif al-Maksoura. Les noms qui finiront par un signe distinctif du féminin qui est Alif al-Mamdouda ou Alif al-Maksoura. Tel que Leila, nous dirons. ليليات كبرى كبريات دونك tous ces types de noms auront comme pluriel علامه الرفع في جمع المؤنث السالم الضمه مثاله المسلمات المسلمات هنا مرفوعه فعلامه الرفع الضمه فنقول المسلمات مبتدا مرفوع وعلامه رفعه الضمه الظاهره Un un wa al -dhammatu al -dhammatu al -dhammatu. Comme l'a mentionné l'auteur, Jamro el muannathi salim, quand il sera marfour, aura toujours comme signe distinctif la damma. Donc nous connaissons la terminaison de Jamro el muannathi salim quand celui-ci est marfour. Sa terminaison sera toujours la damma, telle que el muslimatu fi el masjidi. المسلمات هنا مبتدأ مرفوع وعلامة الرفع الضمة بكول ضمة كاغلي جمر المؤنث الثاني الموضع الرابع للضمة في الرف المضارع الذي لا يتصل به شيء درسنا أن الفعل ينقسم إلى ثلاثة أقسام الماضي والمضارع والامر أما المضارع فينقسم إلى قسمين مبني ومغرب سندرس فيما بعد أن المضارع يكون مبنيًا أحيانًا، والأصل فيه أن يكون معربًا، والمعرب للفعل المضارع قسمان الأفعال الخمسة سندرسها في الدروس المقبلة، والقسم الثاني لم يتصل بآخر شيء، وهذا هو الأصل فيه، وعلامة الرفع للفعل المضارع. الذي لم يتصل باخره شيء الضمه ومعنى ذلك الا يتصل باخره احد الضمائر الرفع الثلاثه وهي الف الاثنين وياء المخاطبه وواو الجماعه فاذا اتصل بالفعل المضارع احد هذه الضمائر كانت علامة الإعراب فرعية. أما إذا لم يتصل به أحد هذه الضمائر كانت علامة الإعراب أصلية. فتكون علامة الرفع الضمة. مثاله: يكتب زيد، يسعى زيد، يدعو زيد. يكتب نقول: فعل مضارع مرفوع. وعلامة رفعه الضمة الظاهرة يسعى زيد نقول فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها التعذر. يدعو زيد يدعو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها الثقل يوسين ديستا بور لو qui ne fait pas partie de el ou est la damma. Ce qui est voulu par la miyatta c'est-à-dire que aucun des trois pronoms qui est alif ul ou, ou ya al ou wa jamara est suffixé au verbe. Ces trois pronoms que nous allons étudier par la suite, quand ceux-ci sont suffixés au verbe, alors le signe distinctif de l'irrabe du verbe sera secondaire. Et c'est ce qu'on appelle el afal ou el les cinq verbes. Donc quand le verbe « mudarir » ne fera pas partie de cette catégorie, son signe distinctif sera la « dhamma », que celle-ci soit apparente ou « muqaddara », sous-entendue. Apparente telle que « yaktubu » ou sous-entendue telle que « yasa ». Donc voici les quatre endroits où nous trouverons la « dhamma » pour le « raf Le « mufarad »,« Jammu Taksir, jamu al-mu'annathi salim »« wal-firlun mudariru »« alladhi lam yattasil bihi shay'un »